L'invité de la matinale, Philippe Dornier. Danielle Gaudieu, la directrice de Lara Jufa, l'association réunionnaise pour l'aide juridique aux familles et aux victimes, est notre invitée ce matin. Alors, il y a beaucoup de critiques autour de cette réforme de la justice, mais en même temps, tout le monde trouve qu'il y a des choses à améliorer, que tout est loin d'être parfait. De quoi ils se plaignent, les citoyens que vous rencontrez au quotidien ? Alors, bonjour. Donc, par rapport à cette réforme de la justice, donc, nous, pour l'instant, on n'a pas forcément le retour, effectivement, des justiciables. Donc, mais on imagine, en écoutant un petit peu donc, tout ce qui se dit concernant cette réforme, que ça ne sera pas aussi évident pour le public qui devra, effectivement, donc, saisir, donc, faire des démarches en ligne, hein, comme il est dit. Notamment, donc, je prends le cas d'une victime qui, effectivement, donc elle a été victime de viol ou peu importe, victime d'agression physique. Donc il faudra qu'elle fasse ses démarches en ligne sur une plateforme, disent-ils, numérique. Et donc aujourd'hui, quand on sait que nous, on reçoit la victime et elle a besoin d'être entendue, elle a besoin d'être soutenue, elle a besoin d'être accompagnée, notamment juridiquement, hein, puisque tout ça n'est pas évident, mais également psychologiquement. Donc voilà, étape un petit peu donc difficile pour cette victime de saisir en ligne effectivement une plainte. Et donc j'imagine qu'après ce dépôt de plainte en ligne, elle sera bien évidemment reconvoquée aussi, semble-t-il, hein, donc dans les commissariats ou gendarmeries. Donc voilà, nous on se pose des questions effectivement sur cette démarche en ligne, donc pour les victimes, mais également pour tous les autres justiciables, donc qui devront saisir la justice, notamment pour toutes les procédures civiles. Et donc est-ce un choix unique, est-ce que le justiciable sera obligé de saisir la justice donc par cette plateforme? Pour l'instant, on ne sait pas encore, hein. En tout cas, il semble que ce ne sera pas évident donc pour tous les justiciables, puisque nous, quand on les reçoit donc chaque jour dans nos bureaux, c'est vrai que on est effectivement dans l'ère du numérique, mais je vous cache pas que l'association aide depuis 1969 les personnes donc à formaliser donc notamment des demandes d'aide juridictionnelle. Et je sais pas si vous êtes déjà passé dans nos locaux, mais tous les matins donc au tribunal de Champfleury et à Saint-Pierre. Tous les matins, donc nous sommes saisis pour les mêmes problématiques. Alors quel problème justement? L'aide juridictionnelle, on le rappelle, c'est un système qui permet aux personnes les plus démunies d'accéder à la justice. Voilà, donc souvent le public qui nous contacte en fait, donc n'ont pas beaucoup de revenus ou sinon sont bénéficiaires des minima sociaux. Donc ils ont la possibilité donc de demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Donc c'est l'État qui va prendre en charge donc les frais de justice, notamment les frais d'avocat, les frais d'huissier. Donc au niveau de la procédure, il y a une demande à formaliser, il faut justifier de ses revenus des personnes donc qu'on a à charge, et c'est étudié par un bureau d'aide juridictionnelle qui existe dans chaque tribunal de grande instance. Alors l'idée c'est de répondre à la lenteur de la justice, elle est souvent critiquée pour ça. Comment vous constatez cette lenteur et quelles conséquences ça peut avoir pour les justiciables? Alors nous on le constate effectivement dans le suivi de ces justiciables qui viennent vers nous. Donc notamment, par exemple, dans le suivi d'une victime. Donc je vous donne le cas d'une victime qui a déposé plainte. Et bien souvent, donc nous, notre suivi commence donc dès le début de la plainte, c'est-à-dire lorsqu'elle aura fait les démarches au niveau des services de police. Donc les services de police doivent également lui donner les coordonnées de cette victime. Se pose aussi la question, donc aujourd'hui, donc lorsqu'elle fera cette démarche donc sur cette plateforme numérique, est-ce que tous ses droits vont lui être est-ce qu'on va l'informer de tous ses droits, justement, de la possibilité d'avoir donc accès à un service d'aide aux victimes, d'être accompagnée par un service d'aide aux victimes? Et cette victime qui déposera plainte devant les services de police, elle est accompagnée, elle doit avoir les coordonnées d'une association d'aide aux victimes, et notamment on lui donne ici à La Réunion les coordonnées de la RAJUFA. Donc cet accompagnement donc se fait du début à la fin de la procédure. Quand je dis fin de la procédure, c'est également jusqu'au recours. Couvrement
des dommages et intérêts. Et effectivement, dans le discours de cette victime, il est bien fréquent qu'elle nous dise et qu'elle nous rappelle, donc, puisque le suivi, comme je vous dis, peut durer au minimum un an et demi, et elle nous appelle pour nous dire, ben voilà, donc moi j'ai pas de nouvelles de la plainte, où ça en est. Et notre rôle, ça sera de la rassurer et de lui dire, ben ne vous inquiétez pas. Donc l'enquête, elle peut durer effectivement un certain moment, donc il n'y a pas de délai fixe, et on va la rassurer, et c'est là qu'on voit que ben oui, ben c'est long, et il faut savoir la rassurer, il faut connaître la procédure pour pouvoir lui donner ses éléments et la rassurer tout au long de la procédure, que ce soit lors d'un entretien physique ou téléphonique. Il y a des craintes de voir supprimer les tribunaux d'instance. Quelles conséquences ça aurait ? Alors, pour nous, pour les justiciables qui viennent jusqu'à chez nous, donc moi, je dirais que ça serait effectivement une perte de proximité, donc de la justice pour ces gens-là. Donc, nous faisons, nous, des permanences. Donc, comme je vous ai dit, on est dans les locaux du TGI de Saint-Denis et de Saint-Pierre, mais nous recevons aussi les gens qui sont dans les écarts. Et on fait des permanences dans les points d'accès au droit, notamment dans 18 points d'accès au droit de Lille. C'est dans différentes communes. Voilà, dans différentes communes. Et pour exemple, moi-même, je fais la permanence de la Saline Léo et de Plateau Caillou une fois par mois. Et je peux vous assurer que les gens que je reçois depuis à peu près 20 ans, aujourd'hui, me disent « Ben non, madame, ma va attendre qu'on va revenir la prochaine fois. » Donc, je leur donne... Ils sont attachés à ce que ce soit une même personne qui suive leur dossier, après, c'est ça ? Après, c'est des gens qui ont peu de moyens et on a l'impression aussi que donc la route du littoral, ça pose problème, effectivement. Et on a l'impression que, donc je me demande si on était en métropole même, comment... Donc, la difficulté, elle est réelle. Donc, manque de moyens pour descendre, pour venir sur Saint-Denis. Et également, donc, des problèmes de transport. Donc, on le voit bien. Donc, les gens nous disent « Ah ben non, ma va attendre qu'on va renier dans un mois. » Et voilà. Un autre point de cette réforme de la justice, aujourd'hui tous les crimes sont jugés par une cour d'assises, un jury populaire, des citoyens tirés au sort. Le projet de loi prévoit une expérimentation, un tribunal criminel départemental pour les crimes les moins graves, avec l'objectif de désengorger les cours d'assises et de limiter la détention provisoire. C'est une bonne ou une mauvaise idée ? Alors, concernant ce tribunal criminel départemental, donc nous, du point de vue d'une association d'aide aux victimes, je pense qu'il y a quand même un intérêt pour les victimes, puisque effectivement, ça permettra, donc il y a beaucoup, je vais faire grincer les dents, de beaucoup d'affaires qui sont correctionnalisées, et donc notamment des affaires de viol. Qui sont jugées en correctionnel et pas aux assises. Au tribunal correctionnel. Donc les gens risquent moins, les personnes qui sont poursuivies risquent une peine moins lourde. Pas forcément. Il paraît pas forcément, mais je veux dire là, donc à cette victime-là, effectivement, on pourra lui dire donc oui, donc votre affaire passera devant ce tribunal criminel départemental et non pas devant un tribunal correctionnel. Moi, de mon point de vue, je trouve que donc ça a quand même du bon de ce côté. Justement, les affaires de viol, les affaires criminelles ne seront plus correctionnalisées et ne passeront plus devant le tribunal correctionnel. Mais il faudra expliquer à ces personnes-là que ce ne sera pas non plus aux assises et donc il y aura une hiérarchie des crimes. Mais entre les deux, ce n'est pas mon cœur balance, mais moi je préfère tribunal criminel départemental. Expliquer ça à une victime, je préfère, au lieu de lui dire ça passera au tribunal correctionnel. Je ne sais pas, c'est vrai qu'effectivement il y a eu ce débat-là hier, mais nous en tant que juristes d'une association d'aide aux victimes, je trouve que c'est beaucoup plus facile d'expliquer à une victime que ça passera devant un tribunal départemental. Voilà, entre les deux. Merci Daniel Godieu d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes la directrice de l'ARAJUFA, association réunionnaise pour l'aide juridique.